Bonjour. Bonjour. Alléluia. Ça va aller. Pardon. Ça va aller, t'inquiète pas. Le Seigneur est tellement grand. Amen. Le Seigneur est tellement grand. Tu peux pleurer sans toi, il n'y a pas de souci. Hein. Ça fait du bien. Et il est grand, effectivement, ça nous dépasse, sa grandeur. Voilà. Le 12 mai, mm-hmm. Bonjour à tous. Bonjour. Le 12 mai, j'étais chez moi. Merci. Et il y avait une réunion ce jour-là. Et je vais dans ma chambre, je vais aller me coucher parce que j'étais fatiguée. J'étais atteinte d'un cancer. Mm-hmm. Et donc j'ai été me coucher tout en voulant regarder la réunion du 12 mai. Malheureusement, je me suis endormie. Mm-hmm. À mon réveil, je dis au Seigneur, je fais, mais j'ai rien suivi. Et je veux te dire une chose, je suis prête maintenant à écouter. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dit ça. Et Chora, à l'instant même, dans la minute qui a suivi, Chora qui dit, il y a une femme qui est couchée chez elle, atteinte d'un cancer, qu'elle appelle, le Seigneur va te restaurer. Oh. je fais, pardon Seigneur, je fais, mais attends, mais en plus, c'est avec une telle précision, une femme couchée dans son lit, je fais, mais... J'étais tellement surprise que j'ai fait des pas dans la maison. J'ai fait, mais Seigneur, t'es sûr que c'est moi? Je fais. Oh. Alors, du résultat, d'habitude, vous mettez le numéro de téléphone. Là, il n'y avait pas de numéro. Je fais, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, mets-moi le numéro. Pas de numéro. Je fais, bon, Seigneur, faut que j'appelle. J'avais peur. Donc j'ai fait, Seigneur, faut que j'appelle. Il me fait, j'avais au fond de moi-même qu'il fallait que j'appelle, alors j'appuie tout sur contact. Et, ah bah tiens, là, il y a le numéro, il y a le numéro. Donc j'ai appelé. Et à l'instant même, quand j'ai appelé, voilà, j'ai été guérie. Waouh, alléluia. Waouh. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus t'a guéri. Jésus m'a guéri. Attends. Les cellules, il m'a restauré les cellules, comme vous avez dit. Le Seigneur m'a guéri. Il a chassé le démon. C'était le 12 mai, vous pouvez regarder. C'est pour ça que j'ai précisé la date. Comme ça, vous pourrez revoir tout ça. Désolée, hein, je suis... Non. Ouh, je suis excitée. Parce que... Il y a autre chose. Non, mais tu peux. À la gloire de Jésus. Alors, c'est comme vous voulez. Ah non, mais tu veux. Comme tu d'accord. T'es chez toi. Le 9 juin, mm-hmm. Donc moi, je suis guérie. J'ai fait des examens. Ma fille, elle n'a pas compris. Hein. Elle n'est pas convertie. Ouais, ouais. Donc, elle n'a pas compris. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as crié? J'étais par terre. Elle n'a rien compris. J'ai fait, mais ma puce. Le Seigneur m'a guérie. Et je rigolais, elle me fait, mais maman, t'es sérieuse là? Je fais, si, il m'a guérie. On a fait les examens. Elle est venue avec moi, puisque pendant toute cette période de maladie, elle m'a accompagnée. Et. À Dieu. Amen. J'ai pas fini. Ah non, je peux continuer. Quand tu peux. Donc désolé, hein, je suis en pleine émotion. Voilà, au départ, j'ai pas osé témoigner. Pourtant, je l'ai proclamé. Hein, au téléphone, j'ai fait, vous inquiétez pas, je fais les examens et je viendrai témoigner. Donc ma fille, elle a participé. J'ai fait un scanner. Et moi, je sentais que c'était bon. Hein, je sentais que c'était bon en moi. Et
Ma fille, curieuse comme elle était, elle me fait « Maman, non, moi, il faut que je regarde. » Je fais « Mais tu sais que c'est mieux que le médecin nous puisse faire montrer que c'est... Que, moi, je veux l'entendre. Moi, je veux l'entendre. Je sais, mais je veux l'entendre. » Et ça n'a pas duré 2 secondes. « Il n'y a plus rien, madame. Oh » Oh, j'ai vu. On va parler de toi, mais je ne te connaissais pas. Romain parle de toi, mais je ne te connaissais pas. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la gloire. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus. Élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom. Vous vous rendez compte? Un cancer qui a disparu alors qu'on ne lui a même pas imposé les mains. Mais le maître des maîtres était chez elle. C'est pas fini. J'ai retenu les dates, hein, pour que vous puissiez voir. Donc, le 9 juin, juste à la fin de la réunion, enfin, le frère Chora a parlé de rein, de cœur. Et... mon fils qui est atteint depuis l'âge de 2 ans, il est très malade. Il a la néphrose entérite. Oui, c'est ça. Et depuis l'âge de 2 ans et demi, donc c'est un problème au niveau des reins. Donc il prenait des médicaments. À 18 ans, ils ont arrêté les reins. Et il a fait des dialyses. À ses 18 ans, il a eu une première greffe. En 2011, il a eu une deuxième greffe. Donc là, moi, je me suis convertie en fin 2009. Et j'ai demandé au Seigneur, justement, de lui apporter une greffe, parce que le Seigneur me disait, il faut que ton fils parte de la maison. Je fais pardon. Il m'a donné une parole. Ça, c'est pour les parents. Il m'a donné une parole. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. J'ai fait bon, d'accord, j'ai compris. Alors j'ai fait, Seigneur, ok, d'accord, je l'accepte, c'est vrai, je vais souffrir, je vais l'accepter, mais tu es là pour me consoler, tu es là pour ce manque. Mais il est hébergé, il n'a pas de travail. Il a pratiquement rien, quoi. Je fais, mais il est pas marié en plus. Il a une petite fille, il est pas marié. Je fais, est-ce que tu peux combler tout ça? Est-ce que tu peux le marier? Est-ce que tu peux lui donner un logement? Et est-ce que tu peux lui donner un travail? Et il a eu tout ça. Il n'est pas converti non plus, donc j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. Mais bon, ce n'est pas grave. Le Seigneur est au contrôle. Et
Donc, pour en revenir au 9 juin, le frère Chora parlait qui veut des reins, qui veut un cœur, etc. Et moi, de chez moi, je suis moi, je veux. Seigneur, s'il te plaît, moi, je veux pour mon fils. Je sais, parce que là, trois fois, il a eu des malaises. Cette année, trois fois, il a eu des malaises. Je fais, Seigneur, le bonheur d'une mère, c'est de voir ses enfants. Voilà. C'est de voir ses enfants heureux. Donc, j'ai prié. J'ai fait, Seigneur, si tu veux que je donne un rein, je donnerai un rein. Mais je veux que ça vienne de toi. Et là, j'ai levé la main. Je fais, Seigneur, moi, même s'il n'est pas converti, c'est pas grave. La mère fait foi et j'apporte ma main et je veux que tu lui accordes une greffe. Et là, au mois d'août, il a eu sa greffe. Voilà. Donc voilà. Voilà. Et le reste, j'attends que le Seigneur fasse. T'inquiète pas, il va prêcher l'évangile. Moi ? Ton fils. C'est vrai ? Ah bah oui. Oh. Il va prêcher l'évangile. Amen. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, là. Amen. Amen. Amen, Jésus. J'aimerais bien le voir. Hein. Ah, mais il va prêcher l'évangile. Moi, maintenant, je demande au Seigneur de voir. Seigneur, fais-moi montrer. Parce que là, il s'oppose. J'essaye, mais tu sais. Mais il s'oppose. Laisse-le maintenant. Tu laisses. Tu as assez semé. D'accord. Amen. Super. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Bonne continuation. Wow.